salut à toi et bienvenue sur Gracia Lifestyle. Je suis contente de vous retrouver en fin de vacances, bientôt la rentrée. Les vacances se terminent tout doucement, à petits pas. Et j'ai été faire un tour chez Emma, comme vous l'avez bien vu. Voilà, mon petit sac de chez Emma. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombée sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Alors, qu'est-ce que j'ai pris là-dedans? En fait, je suis rentrée juste par curiosité à la base, hein. Et je me disais, bah voilà, il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui donnent envie et tout ça. Et je suis partie à la base pour prendre un bic. Et je me suis retrouvée avec des petits trucs de fourniture scolaire pour les enfants et de bureau pour moi-même. Je vous montre ça tout de suite. I think it all came back when I was looking back at you. Oh, how I've missed your sight. Alors, comme je vous disais bien, j'étais rentrée à la base chez Emma juste pour un bic, parce que j'avais flashé sur un bic, je me suis dit, allez, je vais me l'offrir, c'est que 2 euros, nanana. Mais non, j'ai trouvé, il y avait des articles vraiment chouettes dès que j'ai mis les pieds dedans, et en plus, ça a fait participer vraiment de mon confinement. Comme vous voyez, les jouets pour enfants en bois, que je trouve super beaux. Ici, donc, vous avez des tampons pour les tout-petits à 2 euros, c'est vraiment chouette, hein, lorsqu'ils sont en train de faire leurs activités à la maison, ou bien pour tout ce qui est bricolage, tout ça, c'est vraiment chouette. Alors moi j'ai kiffé les bracelets qui sont, voilà, qu'on peut customiser pour faire des noms avec les prénoms des enfants, et le prix m'a vraiment vraiment plu. Et ce que j'ai aimé surtout avec les marqueurs ici, il y en a 100, donc c'est 3 fois les mêmes couleurs, c'est seulement à 6 euros. Les marqueurs, c'est des trucs qu'il en faut tout le temps, mais tout le temps, ils les perdent à l'école, ils les perdent à la maison, donc faut en avoir. Moi, j'ai pris ceux-là à 3,25 euros pour le grand, et ceux-ci, c'est bien parce que c'est lavable à l'eau, hein. Donc voilà, pour ceux qui ont des artistes à la maison comme moi, estime colorie parfois dans les murs, c'est bien et c'est facile à nettoyer au mur. J'ai pris aussi les crayons ici à 6 euros, les crayons de couleur, et c'est bien parce que c'est à chaque fois 3 fois la même couleur. Et j'ai aimé ce taille à 3 compartiments. Pourquoi? Parce que Esté a des gros crayons, et pour le grand et pour les tout petits. Et c'est vraiment, vraiment bien. Alors, pour la saison des pluies, parce qu'il commence déjà à pleuvoir un jour sur deux, et donc on entame l'automne, voilà, les bottes en plastique sont là, ils sont à 17 euros pour vos princesses et vos petits princes, à vous de choisir ceux qui vous arrangent. Ici, ce sont des clés USB, j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai filmé ça parce que je trouvais ça beau, mignon, j'aime bien tout ce qui est girly comme ça, et c'est des 8 gigas quand même, mine de rien, quoique ça serait bien que je m'en offre, et en plus, ce sont avec des porte-clés, c'est ça qui est chouette. Alors, ce cahier là, j'ai kiffé. Je n'ai pas pu le prendre parce que voilà, faut des sous. J'ai aimé la texture. La texture, elle est un peu comme muraille comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment beau. C'est avec des paillettes, et j'ai beaucoup aimé en tout cas le look qui donne au cahier et agenda pour le début de la rentrée. J'adore. Alors les poubelles à avoir absolument, 3,50€, les 4,50€, les boîtes à tartines, ça c'est pour les tout petits, c'est vraiment des petites boîtes à tartines, hein, c'est pas des grosses, je trouve un peu cher pour la taille, parce que voilà, je me dis, allez quoi, c'est trop petit pour les tartines, mais peut-être pour des sandwichs, c'est un peu trop juste quoi. Ici donc, vous avez bien vu, ce sont des élastiques pour boîte à tartines, hein, pratique. Là, c'est les gourdes pour vos bouts de choux. J'en ai pris un parce que j'ai flashé dessus, j'aime beaucoup les dessins dessus, les arcs-en-ciel. Et là donc, c'est un gobelet pour les tout petits. Je trouve ça un peu compliqué parce que voilà, il faut l'ouvrir puis correctement le fermer, voilà. Et c'est quand même, voilà.
c'est quand même un peu compliqué pour les tout petits. Et donc les boîtes à tartines sont à 4,50€. Et voilà, les gourdes sont aussi en bleu. Vous avez vu le prix, il est à 5€. Et ça, c'est la boîte à tartines que j'ai pris de ST à 3 compartiments dedans. Donc il y a la partie pour les fruits, les collations, biscuits et les tartines. Alors voilà, vous voyez un peu les tons de couleur bleu, rose, voilà, c'est vraiment à votre goût de les choisir. Ici, les boîtes à tartines, vous les avez aussi en noir et en vert. Toujours au même prix, hein, les prix ne changent pas. Vous avez les gourdes aussi en noir et en vert. C'est toujours les mêmes prix. Et là, vous avez les boîtes pour bananes et pommes, oranges, voilà, mandarines, voilà, c'est un peu ça. Alors là, c'est mon coup de cœur, les cahiers en lion ou Yay for Today, tout ça. J'adore tout ce qui est girly comme ça. Je pense que je l'ai dit 20 000 fois sur cette vidéo, mais je pense que vous me connaissez un peu plus là en ce moment. Ici, ce sont des gommes en arc-en-ciel. J'ai beaucoup apprécié. Et les aimants ici en emoji qui sont vraiment pas mal à 2,75€. Alors, la rentrée avec les petites économies, bien sûr, malgré la crise, il faut toujours avoir une petite tirelire. Ça, c'est des petites tirelires en porcelaine. Vous voyez, il y a plusieurs personnages. Hein. C'est quand même 5,25€. Et les mugs, ça, c'est mon kiff. Les mugs, j'en ai plein à la maison. Les mugs, j'adore. Et là, ce sont des mugs, je pense, avec des initiales ou c'est peut-être personnalisé. En tout cas, c'est avec les chiffres de l'alphabet à 4,50€. J'ai aimé aussi les porte-clés en alphabet avec des petits poils comme ça. J'ai trouvé ça super mignon. Mais c'est quand même gros, hein, 3,25€. Pour un porte-clés comme ça, c'est chouette. Mais maintenant, s'il devient sale, voilà. Moi, je tiltais un peu, j'avais difficile à choisir. Donc, j'ai laissé tomber. Ça, ce sont des stickers hein, collants qu'on peut coller dans les jeans, dans les vêtements. Et donc, les étiquettes collantes pour les cahiers, pour les fardes. Tout ça personnalisé. Ensuite ici ce sont des cahiers hein. Donc ce sont des cahiers à A4 hein. Ce sont des A4, ils sont super gros, épais. Celui-là il est en A5, mais j'aime bien le message à chaque fois, découverture, ce genre de truc là, j'adore. Et enfin, les fluos comme ça, en couleur d'été, hein, les couleurs un peu vintage comme ça, à 1,75€. Voilà, je vais commencer avec mon coup de cœur, ici que vous voyez, donc c'est Yay for Today. J'ai flashé sur ce carnet de notes, juste parce que oui, il est en poil et je trouvais ça vraiment beau, c'est un A3. Et voilà, c'est ligné. Et comme j'adore prendre des notes tous les jours, et surtout pour mes affirmations positives du matin ou du soir, eh ben, c'est avec ça que je vais commencer ma rentrée, moi. Je me suis procuré, bien sûr, hein, le stylo qui va avec, le bic qui va avec, bien sûr. Et j'adore. J'ai trouvé les pompons, j'aime tout ce qui est girly, j'aime tous les trucs comme ça. Et c'est écrit « This is awesome ». Franchement, voilà, il y avait le rose aussi où c'est écrit autre chose, je sais plus, mais voilà, j'adore tout ce qui est avec des paroles positives, des phrases positives comme ça, qui donnent la pêche, surtout le matin quand t'écris, et avec le poids du truc ici, voilà, qu'on peut enlever si on veut, que je ne conseille pas, mais voilà, c'est bien, voilà, donc ce bic là m'a coûté 2,50€ à peu près. Ensuite, j'ai pris l'artillerie, donc crayon de couleur pour les enfants. Il y en a 100 dedans à 6€. C'est du kiff. Les boîtes à tartines transparents comme ça, il y en avait en rose, il y en avait cette couleur-là, il y en avait en bleu aussi. J'ai pris celui-là pour rester. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 compartiments dedans et c'est pratique pour les tout-petits pour ouvrir. Ici, donc, tu as la partie pour les tartines, c'est bien, ça s'enlève, c'est bien et ça facilite au niveau du lavage.
Et ici, c'est pour mettre les fruits, les collations, les petits biscuits pour l'heure de la récréation, 10h et à midi. Et à ce prix-là, c'est vraiment donné. Voilà, autre encre lavable. Donc voilà, il y en a combien? Il y a combien de couleurs? Il y en a 24 dedans. Il y a plein de couleurs, c'est tout bénef, ça c'est pour Alex. Vu que les maternelles n'utilisent pas de feutre, et ben voilà, il y en a 24 dedans. J'ai pris aussi les gourdes, hein, une gourde pour Esteban. Je cherchais une gourde qui était à sa taille, ça c'est 300 ml. Et c'est tout bien pour l'ouverture. Ça s'ouvre facilement. Voilà. Laisser boire son eau et le fermer aussi. J'en avais marre d'acheter ceux de chez Action parce que ça se cassait souvent. Et j'espère bien que ça ne se cassera pas parce qu'avec les enfants, on ne sait jamais. Alors, les porte-bananes, donc c'est comme ça que je les appelle. Ici, à 2 €. Et voilà. Pour une fois, ça change un peu des porte-bananes que j'achète de chez Colruyt. Et je trouve que celui-ci est pas mal. Ballon parce que bientôt c'est l'anniversaire d'Alexandre en septembre et ici il y a des ballons, il y en a 50 ballons à 20 cm donc de diamètre, lorsque tu souffles c'est maximum 20 cm et je trouve que c'est vraiment bien donné pour ce prix là. Il y en a 50 dedans, surtout là je vous montrerai vite fait dans une vidéo, je sais pas, sur Gracia Lifestyle, le rendu des ballons que j'aurais fait pour l'anniversaire d'Alexandre. Et 30 cm le ballon du chiffre de l'âge d'Alexandre, ici le numéro 8 que j'ai trouvé avec plusieurs, les couleurs licorne comme ça. Et c'est quand même 30 cm, c'est pas mal. Les marque-pages en autocollant pour changer un peu des gros intercalaires, j'espère qu'ils vont accepter cette année pour Alexandre. Je trouve que ça sera beaucoup plus facile de noter dans ses phares des... au lieu de mettre des grands intercalaires, quoique je sais pas hein, si les choses ont changé avec les grosses phares dont on nous demandait d'avoir des gros intercalaires. Et voilà, et pour les petites phares dont on pouvait avoir des marque-pages autocollantes. Mais bon, on sait jamais, peut-être que les choses vont changer au niveau des exigences des professeurs. Voilà, pour mon haul, je m'arrête ici. J'espère que vous avez aimé le genre d'articles que j'ai pris. Les prix sont vraiment abordables, comme je vous les ai mis à chaque fois. Si tu as aimé ce genre de vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner, de partager si ça peut toujours aider vu que c'est la rentrée. Et je te retrouve très 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 bientôt, donc jeudi prochain, pour la prochaine vidéo de Gracia Lifestyle.